project Step Up for the Rights of Females is all about bringing the local community together, not just women, as it is necessary to work with all sexes and ages to achieve progress in the field. Our team consisted of participants from Senegal, Lithuania, Honduras, and India, and we have visited kindergartens, schools, and conferences in Ziguinchor to discuss, engage, and befriend the locals. At the same time, we have helped local women's center Kulimaru, which houses teenage victims of sexual violence. GNO Far est basé, les trois activités phares de GNO Far, c'est dans l'enfance, et le sport et le développement local. Donc dans la jeunesse, il y a le sport, il y a l'insertion professionnelle des jeunes, il y a l'insertion sociale des filles-mères. Au niveau de l'enfance, nous venons en aide les enfants vulnérables et les enfants pauvres, et qui ont besoin un peu d'appui psychosocial, d'appui matériel, un peu d'appui au niveau éducationnel. Au niveau du développement local, nous aidons beaucoup aux jeunes de s'insérer professionnellement, de trouver un emploi, d'être formés, parce qu'à l'université, ils apprennent seulement la littérature. Mais quand tu approches les étudiants, ils ne connaissent pas exactement ce que c'est que faire un rapport, ils ne connaissent pas beaucoup de bureaux, ils ne bougent pas, donc c'est ce qui est un peu dangereux pour un étudiant vraiment diplômé. Donc aussitôt, j'étais très motivé parce que c'est un projet qui est très important ici à Ziguinchor. C'est un projet un petit peu sensible aussi parce que Casamas est une région qui était en guerre. Et maintenant, on peut dire Dieu merci, on est en train de retrouver notre stabilité. Our goal was to help them get additional source of income. That's why we've created a social business plan to bring in tourists to the center for hair braiding and started a promotional campaign for the handcrafts girls make. This will allow the center to sustain itself and meet the medical, educational, and social needs of its inhabitants. Finally, a friendly basketball game between surf team and local basketball club has been organized. We were most happy to see Senegalese girls playing. That's a great example of gender equality.